firage, oh, y'a firage. Yes, c'est le gâtima, gâtima. Stevie. On attaque maintenant le clash d'Ariel Chenet à l'endroit de Kérosène. Voilà, de mémoire, je me rappelle que on dit Ariel Chenet est toujours la victime, l'éternel attaqué, celui qu'on attaque toujours, celui qu'on clash toujours, celui qu'on provoque, alors que lui, il est sain, il est dans son coin bien rangé, bien professionnel, alors que il y a des choses aussi qui se passent souvent. Et tout à l'heure, ça va se savoir. Avant de parler du clash, on va parler du côté positif hein, des artistes, de ce qu'ils sont en train de préparer, pour ne pas qu'après les gens viennent nous dire, vous là, c'est quand il y a clash des artistes, on vous voit. Mais quand il s'agit de leur travail, on ne vous voit pas. Voilà. Côté Ariel Chenet, sachez que le Kumbala désormais est nominé aux Afrima Awards 2020 qui se tiendront le mois prochain aux États-Unis d'Amérique. Sans compter son album qui arrive très prochainement. Côté Kérosène aussi, il est nommé aux Afrima Awards aux États-Unis. Et tout récemment, Kérosène a fait une pile récapitulative de tous ses sons depuis son retour musical, je crois, en 2015-2016. Et il nous a annoncé que en 2021, il y a un album qui arrive. L'album sera intitulé 10 sur 10. Voilà, avant de parler de clash, avant de parler de buzz, voici plus ou moins l'actualité de ces deux artistes-là. On attend l'album de Kérosène, on attend l'album d'Ariel Chenet, on attend de voir le résultat de leur nomination aux Afrima. Bien évidemment, on espère les voir remporter le prix, sinon des prix à la nation ivoirienne. Mais à côté de ça, clash bango, il y a pas clash nini, oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Bon, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire actuellement, c'est Jenzin, ça marche ici. Troisième mandat, les gens veulent pas quitter au pouvoir. Des gens même qui ont 100 ans, ils veulent se représenter. Tout est mélangé, ça marche. Il y a des morts, il y a des tueries, il y a des casses, il y a trop de choses. Donc, au vu de cette situation, rappelez-vous, il y a quelques jours, Kérosène a dit, lui, suspend toutes ses activités musicales, toutes ses prestations sur l'étendue du territoire national. Kérosène, il aime trop la patrie. Il peut pas aller chanter pendant que les gens sont en train de mourir. Lui, il chante plus. Tant que je sais pas, tant que ça s'est pas résolu, lui, il chante plus. Et visiblement, on n'a pas compris, apparemment, hein, selon Ariel Chenet, moi, j'ai pas encore vu les vidéos, Kérosène s'est bré pour aller prester dans campagne de quelqu'un. Je dis pas qu'ils ont utilisé sa musique dans campagne, hein. Apparemment, Kérosène s'est caché pour aller prester. Pourtant, il dit, la nation, c'est comme si la nation, non, tant qu'il n'y a pas la paix, moi, je chante plus. Automatiquement, Ariel Chenet est sorti derrière pour mettre Bouyaka, clash en même temps. Alors, qu'est-ce qu'Ariel Chenet a fait? Il a pris son téléphone, il a écrit un petit bas statut où il met, il y a trop de comédiens dans le showbiz ivoirien, notamment. Il y a trop de comédiens dans le showbiz, quoi. Co, je ne joue plus tant qu'il n'y a pas la paix. Et deux jours après, tu t'en vas prester dans la campagne. Automatiquement, moi, j'ai dit, mais attends, par rapport à quoi? Chenet clash Kérosène. Parce que Kérosène dit, il ne presse plus. Et puis, il se lève, ça va prester. Et pour aggraver même la situation, deuxième statut, Chenet met à la fin. Jean Kérosène a faim et puis joue les dangereux. Jamais il ne presse plus. En tant que tu sais que tu ne vends pas CD, tu ne vends pas album, on n'achète pas ta musique sur Internet, on connaît le système de Côte d'Ivoire. C'est dans prestation tu manges. Et Ariel Chenet met à la fin. Donc Chenet est en train de dire que Kérosène c'est un moron galère. Il joue les dangereux, en temps il a faim. Il lance des déclarations sur la nation comme quoi le pays en feu, le pays en sang, il ne peut pas chanter, donc il va rester en piste. En temps, il a faim. Donc, c'est un comédien, c'est un guignol et trop de choses. Voilà. Bon, Kérosène, on sait que lui, il ne réagit pas. Quand il y a clash, il y a les trucs comme ça, il ne réagit pas. Mais c'est parole, hein, ce que Chenet a dit là. Alors, ce n'est pas pour aggraver les choses, hein, mais sur base de ce que Ariel Chenet a posté, on pourrait tenter de dire que Chenet est en train de dire, lui, la jack que Kérosène. Que lui, il est posé que Kérosène. Parce qu'on peut dire que quelqu'un a faim. Pour dire que quelqu'un c'est un comédien, c'est un guignol, c'est que toi-même tu es posé. C'est que toi-même tu as dit que lui. C'est que toi tu n'as pas faim. Donc trop de choses. En tout cas, ça a été dit. Est-ce qu'il y aura réaction? Ça va se savoir. Mais bah attachement nini, bah clash nini, bah provocation nini. Ariel Chenet, Kérosène, trop de choses. C'est que si on attend vos albums, on attend vos nominations, les résultats. Mais ce qui a été dit aussi, c'est lourd, hein. La paix en Côte d'Ivoire, on espère. D'ici là, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.